أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. La suite de notre cours, inshallah, concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on va voir Al-Ahad Al-Wahid. Le nom d'Allah l'unique est mentionné dans un seul passage du Coran, à savoir dans la sourate Al-Ikhlas. Le nom d'Allah l'unique, Al-Ahad, est mentionné dans un seul passage du Coran, à savoir dans la sourate Al-Ikhlas. Allah dit, c'est lui, Allah, l'unique Dieu, le suprême refuge, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. Donc je répète cette sourate grandiose qui est considérée, qui est l'équivalente de l'entière du Coran, dit c'est lui, Allah, l'unique, Al-Ahad, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, Dieu le suprême refuge. Donc c'est lié ici, l'unicité d'Allah Azza wa Jal est chercher refuge auprès de lui, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. C'est une des grandes sourates, c'est une des très grandes sourates, dans la mesure où un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne qu'elle équivaut au tiers du Coran. Donc elle est l'équivalente du tiers du Coran. Donc on peut imaginer que un tiers du Coran parle de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc Iyaka na'budu. En effet, elle a été évolue et elle a été dévolue à l'exposition des bons noms et des éminents attributs du Seigneur. En effet, elle a été dévolue à l'exposition des bons noms et des éminents attributs du Seigneur. On a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et maintenant, on va voir le nom d'Allah, l'unique, Al-Wahid Al-Ahad. Salam alaykoum, ma soeur Hana. لاباس بخير الحمد لله بارك الله فيك سامح لي طلبتني ما فات ما تيسرش باش نجاوبك الله غالب كنت في سفر ما فيش مشكله شيخ بارك اذا تحتاجني بعد نجم نتواصل ان شاء الله مش مشكله ان شاء الله دونك on a vu c'est une donc le mot ahad n'est mentionné que dans cette sourate, sourate l'Ikhlas, sourate la sincérité, c'est tout ce qu'on cherche dans cette vie. Et le grand souci de l'homme, vraiment, c'est de chercher l'Ikhlas. Donc de vivre vraiment uniquement avec Allah, Azza wa Jalla, avec son cœur, bien sûr. Le corps, il vit avec les gens, mais le cœur doit être attaché exclusivement à Allah, Azza wa Jalla. Ça, c'est... Je peux dire que le nom Al-Ahad ou Al-Wahid, c'est le but de notre existence. C'est de vivre ce nom, assimiler cette réalité dans nos cœurs et l'objectif de notre existence. Ra'it wujudna hiya an na'ish wa nahya bismillah Al-Ahad Al-Wahid. Ou alayhi al-ubudiyya al-haq al-mahabba indama naqul na'ish bi hadhihi al-asma ay la nuhibbu illa Allah. Donc, lorsque j'ai dit je vis grâce au nom d'Allah Al-Ahad, c'est vraiment vivre grâce à l'amour exclusif d'Allah Azza wa Jal. Comment vivre cette vie avec un cœur qui est empli exclusivement d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'objectif final.
C'est une très grande sourate dans la mesure où un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne qu'elle équivaut au tiers du Coran. Le tiers du Coran parle de l'unicité d'Allah azzawajal. En effet, elle a été. Regardez juste le verset qui suit. Dieu le suprême refuge. As-Samad, Dieu le suprême refuge. On cherche refuge auprès d'Allah azzawajal. Mais pour trouver ce refuge, il faut connaître Dieu, il faut l'aimer, il faut s'attacher à lui. D'accord? Ça se suit. Donc l'amour de Dieu mène à trouver ce refuge. Yani l'insan fi hadhihi al-hayat hajatuhu ila Allah wa mahabbatuhu hajatuhu ila al-hawa. لن يجد ملجأ إلا إليه ولن يلجأ يجد الملجأ إلا بمحبة الله عز وجل لا يمكن أن تلجأ لمن لا تحب. Tu ne peux pas trouver refuge auprès de quelqu'un que tu n'aimes pas. L'esprit fuit la personne qui déteste. En effet, elle a été dévolue à l'exposition des beaux noms et des éminents attributs du Seigneur. Donc, elle nous parle ici de cette sourate, l'Ikhlas. Elle parle de deux noms, des noms, de très beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Nous avons Al-Ahad, As-Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuan Ahad, et il n'a pas de semblable, il n'a pas engendré, et il n'était pas engendré. Quant au nom, l'unique, il revient à plusieurs reprises dans le Coran. Al-Wahid, Najidwa fi kathir min mawadha' min al-Qur'an. Quant au nom, l'unique, il revient à plusieurs reprises dans le Coran, dont votre Seigneur est unique. Votre Seigneur est unique. C'est l'attestation de la foi. Tout ça, toute la religion tourne autour de la sincérité. Il n'y a d'autre divinité que lui. La ilaha illahu. Il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Dieu de la bonté et Dieu de la miséricorde. Regardez, tout est lié à l'unicité de Dieu. Si tu veux la miséricorde, cherche à avoir cette réalité dans ton cœur, avoir un Dieu unique dans ton cœur. Si tu cherches la bonté, la même chose. Votre Dieu est unique. Il n'y a d'autre divinité que lui. Il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Que vaut-il mieux une multitude de divinités ou Dieu unique, le dominateur suprême? Que vaut-il mieux une multitude de divinités? Ô Dieu unique, ô Dieu l'unique, le dominateur suprême, ça c'est une question. Qu'est-ce que tu préfères? Si bien sûr tu as le choix entre plusieurs, une multitude de divinités ou un Dieu unique, bien sûr on choisit un Dieu unique, le dominateur suprême. Alors regardez toujours. Les autres, les qualités, les noms d'Allah Azzawajal qui suivent le nom d'Allah l'unique, dominateur suprême. L'unicité d'Allah Azzawajal mène à cette soumission, à ce pouvoir d'Allah Azzawajal, et elle te libère, donc cette croyance à un Dieu unique te libère de la domination de toute créature.
Dis-leur, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Qulillah, Khaliqu kulli shay, il est l'unique et le dominateur suprême. Plusieurs dieux, plusieurs dominations, plusieurs pouvoirs, plusieurs soumissions. Donc l'homme est déchiré, l'homme est éparpillé dans ce cas-là. Donc regardez les fruits de celui qui vit le nom d'Allah, l'unique. Hein? On a vu tout d'abord, il cherchera, il trouvera un refuge, As-Samad, d'accord? Il trouvera un refuge auprès de lui. Deuxième chose, il trouvera aussi la bonté, la miséricorde, et il sera libéré de toute forme de soumission en dehors d'Allah Azzawajal. La soumission d'Allah à Allah Azzawajal est une libération. Ce sont deux noms indiquant qu'Allah est seul et unique, c'est-à-dire qu'il est le seul à détenir les attributs de la gloire et de la majesté. Tous les noms de la gloire, comme le Tout-Puissant, tous les noms de. Il y a d'autres noms de la beauté aussi, il va mentionner ça juste après, comme le beau sont détenus par ce nom unique. C'est le seul qui est le tout-puissant, c'est le seul qui est beau, c'est le seul qui est généreux. Ce sont deux noms indiquant qu'Allah est seul et unique, c'est-à-dire qu'il est le seul à détenir les attributs de la gloire et de la majesté, à se caractériser par les traits de la grandeur, de la puissance et de la beauté. Donc ça c'est le réellement tout-puissant, c'est Allah, unique, l'unique, le seul, le tout-puissant, le beau, c'est Allah Azzawajal. Celui qui est caractérisé par les traits de la grandeur, c'est uniquement Allah Azzawajal. C'est très bien, c'est très important de revenir toujours à ce nom unique, c'est Allah Azzawajal. Il n'y a que Allah qui me donne ma subsistance, il n'y a que Allah qui m'aime réellement. Et à chaque fois que tu vois quelque chose, retourne à cet attribut, Al-Wahid, Al-Ahad. Al-Ahad. Est-ce que c'est clair, ma soeur Hanan, ma soeur Samir, à ce point? Oui, c'est clair. Donc, chaque fois, il faut revenir. Hein, quand tu vois quelque chose de beau, tu dis, c'est la beauté de Dieu. Il n'y a que la beauté de Dieu. Il n'y a que Allah Azzawajal. Si tu as peur d'un pouvoir, d'une domination, tu dis, n'y a que Allah Azzawajal, le dominateur suprême. Il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, Al-Qahar, hein, dominateur suprême, celui qui a le pouvoir, etc. Faut pas oublier ça. Vous savez, bien sûr, nous connaissons cette réalité, mais à chaque fois, il faut toujours revenir, revenir. Et tout ce que vous voyez sur cette terre, c'est comme on a répété plusieurs fois, c'est des moyens qui nous. C'est des manifestations de Dieu. C'est des moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à Dieu. Tu vois le savoir, tu dis l'unique omniscient, c'est Allah. Al-alimu huwa Allah Azza wa Jal. Tu as peur de quelque chose? Allah Azza wa Jal, lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas de semblable. C'est Allah le dominateur suprême, etc. Un seul Dieu, un seul Dieu. Les créatures ne peuvent pas être des dieux. Les choses ne peuvent pas être des dieux. Oui, ma soeur Hanan, tu veux parler? نعم دائما نتفكر بأن نحن عبيد يعني عبيد لله سبحانه وتعالى يعني لما نتفكر هذا الاسم سبحان الله نعم الأحد يعني لا شريك له ولا مثيل له نعم نتفكر أننا يعني مهما وصلنا مهما وصلنا في العلم مهما وصلنا في المرتبة وفي المهنة سبحان الله كنلقاو دائما لا شريك نعم
نعم صحيح. نعم هذه نتيجة من نتائج التوحيد هو العبودية. Celui qui croit vraiment à un Dieu unique se soumettra à lui, ressentira cette servitude à Dieu. Non, واحد. J'ai pas confiance à plusieurs choses, d'accord? Parce que s'attacher à une chose éphémère en dehors d'Allah Azza wa Jal mène à la perdition, mène à la déception, mène à la dépression, d'accord? Et quand tu t'attaches à Allah uniquement, tu reçois un cadeau. Tu dis, c'est Allah qui m'a donné ce cadeau. À travers une personne, je le remercie bien sûr. Et je l'aime en tant que grâce d'Allah Azza wa Jal. Toujours, toujours revenir à l'Ahad, à l'Wahid. Tu vois comment dire? Tu vois que Dieu. تقريبا يعني ما لحد الآن ما فيش تفسير، ربما بعد يشرح الآن يشوف، لكنها متقاربة جدا يعني. يعني أنا سمعت معرفش النابلسي نعم يقول الأحد يعني الواحد لا شريك له، نعم والأحد يعني لا مثيل له. نعم يقال أول ما تجلى الله بالأحادية، ما يعني أول نسبة له كانت الأحادية في ملكه، ما كان معه أحد. أول نسبة له هو أنه أحد لما تجلى. ثم بعد ذلك الواحدية هي لما خلق الخلق، كأن الواحد نسبة إلى مخلوقاته والأحد نسبة لنفسه. قبل أن يوجد الخلق كان أحدا. صحيح، يعني يقول الأحد هي منذ القدم يعني وهو قديم يعني الله سبحانه. نعم أحد الواحد يعني الواحد بعد خلق الخلق، يعني مقارنة بخلقه هو واحد سبحانه. يعني يعني لا الأحد مذكورة مرة واحدة سبحان الله. أيوة بارك الله فيك، كذلك هي مذكورة مرة واحدة كما قلت، حتى تتأكد أنه لما قبل خلق الخلق الله كان أحدا. Avant de créer les créatures, Allah était unique. Après la création, il est al-wahid. يعني لا شركاء له. لا شريك له. الواحد في ملكه بارك الله فيك. لونيك دون سون رويوم. جزاك الله خير. يسمونها الأحادية والواحدية. Ça c'est l'ahadiyya. Aucune créature n'était avant lui ou après lui. Il est unique dans ses attributs et n'a pas d'égal. Ça c'est aussi très important. N'a pas d'égal. N'a pas d'égal. Ça c'est toujours c'est un travail. C'est un grand travail à faire. Comment vraiment assimiler, je dis assimiler, réaliser que Dieu n'a pas d'égal, l'unique, subhanahu wa ta'ala, sans associé. Il est unique dans ses actes. Il n'a ni associé ni auxiliaire. Ça veut dire quoi ici? Unique dans ses actes. Il n'a pas besoin d'un secours, de quelqu'un qui l'aide à faire quelque chose. Il n'a ni associé ni auxiliaire. De même, pour ce qui est de la divinité, il est unique et n'a pas d'égal, car
C'est lui qui mérite l'amour et l'exaltation. Et c'est devant lui qu'il faut s'humilier et se soumettre. Donc on a vu, il est dans son essence, donc ça c'est l'essence de Dieu, d'être, il est un et il n'a pas de semblable. Il est unique dans ses attributs et n'a pas d'égal. L'argent ne peut pas être égal à Dieu, ne peut pas être une divinité. Toute chose, la matérialité de la vie d'ici-bas, tout attachement ne doit pas être égal à Dieu. Il est unique dans ses actes. Il est unique, il faut s'habituer à voir l'univers, Dieu, avec la lumière du cœur. La provenance de toutes choses, les actes, c'est Dieu. La beauté, c'est Dieu. Les épreuves proviennent de Dieu. Les bienfaits proviennent d'un Dieu unique. L'homme souffre lorsqu'il est éparpillé. Lorsqu'il est éparpillé entre plusieurs lorsqu'il a plusieurs destinations en même temps. Dans son essence, il est un et n'a pas de semblable. Comment vivre cette réalité? D'accord? Subhanallah. Quand tu oublies Allah Azza wa Jal, lorsque je oublie Allah Azza wa Jal, comme si je le remplace par un semblable. Il est unique dans ses attributs et n'a pas d'égal. En fait, c'est remplacé par la dunya. Et par exemple, ou par une personne, ou par un pouvoir, etc. Pour toute créature. Comment une chose prendra la place de Dieu dans mon cœur? C'est ça la question. Alors que cette chose est créée par Allah Azza wa Jal. Je pense que si elle prend la place, c'est-à-dire qu'on a mis en premier lieu et non Allah Subhanahu wa Ta'ala. Exactement. Si on met, par exemple, comme il y a la ayat fitna, amwalukum wa awladukum fitna, je pense que si on connaît bien, si je mets Allahumma wa Subhanahu wa Ta'ala, oui. Je vais prendre soin de mes enfants, mais tout en sachant que c'est Allah qui m'a donné ses enfants, c'est Allah qui m'a donné de la force pour en prendre soin, c'est Allah qui m'a, qui m'a donné l'argent pour subvenir aux besoins de mes enfants, etc. Donc, si on voit Subhanahu wa Ta'ala en premier lieu, on ne sera pas dans son oubli, je pense. Et exactement. C'est question d'oubli et de foi. À chaque fois, tu ressens un problème, tu es face à un problème dans la vie, reviens à l'unique Allah Azza wa Jal. Reviens à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une alerte pour ton cœur. Attention, tu m'as oublié. Et comme on l'a vu avant, une fois tu te rappelles de cette réalité que Dieu est unique, Allah te donnera la bonté, la miséricorde, il te libère de ce souci, d'accord, et tu trouveras refuge auprès de lui. As-Samad. فيما أردت واحد يعني بالفتن تاع الدنيا وبالواحد يشغل أيوة الضيقة هذيك والتعب هو دلالة على البعد تذكير من الله عز وجل أنك ابتعدت عني la souffrance en fait la tristesse et tout c'est un message d'Allah عز وجل qui veut nous dire attention, tu t'es éloigné de Dieu. C'est une grâce en réalité.
هي رحمة من الله عز وجل. لابد أن تفهم هذه الرسالة. Faut comprendre ce message. Attention, tu risques de me remplacer par autre chose. Faut pas continuer comme ça. Faut revenir à moi. Je suis l'unique. D'accord? Ces choses-là n'ont pas, ne possèdent pas leur propre existence. هم وجدوا بالله عز وجل. فالكل يعود إلى الأحد الواحد أو الواحد، لأن الله صار واحدا تجلى باسمه الواحد لما خلق خلقه. إلا يعني نعم. بعد من بعد تجي الصفات الأسماء الأخرى. نعم نعم. حتى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. commence toujours par l'unicité de Dieu. الشيخ le fait de faire nier chaque action, chaque amel, je pense que ça va nous permettre de ne pas l'oublier. Exactement. Allah سبحانه وتعالى من الأعمال والنيات. Ça veut dire que ce n'est pas pour rien à l'Niyah. Si on fait chaque chose de Niyah, Tanillah subhanahu wa ta'ala, taqarruba minhu, on sera toujours dans le rappel constant. Sahih, sahih. L'intention nous aide beaucoup à vivre pour Allah. Et avec Allah Azza wa Jal, ma'iyya, wa lillahi wa billah. Lillahi wa billah. D'accord. Mais revient toujours à l'unique. D'accord? Comme on a dit, Allah a créé un seul corps, qui est l'univers. C'est tout. Tout ça, c'est la même chose. C'est la création d'Allah. Toute chose est une manifestation des attributs et des actes d'Allah. كل شيء هو التجلي للصفات و لل ال ال لصفات الله ولأفعاله. Barakallahu fikum. On va continuer, inshallah, avec ces deux beaux noms d'Allah Azza wa Jal, une autre fois, inshallah. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Monsieur Samir, monsieur Hanan, maintenant le Maghreb, c'est à 21h. Je ne sais pas à quelle heure on fait la séance de prière sur Sayyidina Muhammad, avec le changement maintenant. Je pense avant le Maghreb, non? C'est pas mieux? Avant le Maghreb, à 20h30, comme ça. 20h40, Inch'Allah, je vais mettre sur le bout. Il y aura peut-être un dars ce soir, mais un peu tard après. Malheureusement, les gens ne viennent pas avant le Maghreb. Donc, on va faire après le Maghreb, Inch'Allah. Si vous avez le temps un peu tard, quand même, et voilà, ça, on va essayer de faire comme ça et voir. Aujourd'hui, c'est mieux, je pense. Après le Maghreb, Inch'Allah. Je vais voir, Inch'Allah, l'imam Malik, Inch'Allah. On va continuer avec l'imam Malik. Jazakum Allah khair, Inch'Allah. Shukran, shukran, shukran. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam.
Merci.